Salutations, c'est Cascole. On se retrouve donc pour ce deuxième épisode de Synthea Deck Building, la partie solo contre Hilda avec l'extension Poséidon. J'ai 6 cartes en main, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à cause de l'épopée qui dit que si on a un personnage marqué à la fin de notre tour, en fait, on a le droit de piocher une carte de plus. Donc voilà, j'ai 6 cartes en main. C'est à Hilda de jouer, on est au tour 9, on s'arrêtera au 16. C'est parti, on perd pas de temps. Elle fait un 3 de défaut, c'est intéressant d'avoir 6 cartes en main, enfin bon. C'est comme ça, c'est le jeu, elle récupère directement Sorrento. Ça lui fait encore 4 points de victoire facile. Et je dois défausser une carte au hasard de ma main. On va dire celle-ci. Ouais. Ok. Au final, je joue avec une main normale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Lui, il coûtait plus cher à cause du garde. Hein, parce que là, c'est marqué le personnage à sa gauche coûte 1 de plus. Il serait pas mal le signe noir. Parce qu'il a 2 de force. Après lui, il est pas mal non plus. Il a 6, combien j'ai moi? Bon, lui, déjà, il vaut 3. 4, 5, 6, 7. C'est pas mal. Je prendrais plus lui quand même. Il vaut au moins un point de victoire. Donc, 3, 4, 5. Je peux piocher une carte, donc je peux me refaire un deck. Et je pioche. Voilà. Donc j'étais à 5, hein, c'est ça, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc lui, il est pour moi, il n'a pas d'effet vaincu, donc j'ai pas trop à m'inquiéter. Je pourrais éventuellement... Non, même pas. J'allais dire, je pourrais geler une carte de ma main pour activer cet effet-ci. Donc geler un yoga de façon à ce qu'un yoga gagne plus 3, ce qui lui ferait 4, sauf que je l'ai dit, il ne coûte pas 4, mais 5 à cause du garde. Donc non. Quant à Cassios... Quand on le détruit, le coût d'un chevalier présent sur le terrain est réduit de 2 en force ou en cosmos. C'est pas mal ça en vrai. Hein. Donc moi je pense que je vais utiliser mes 2 yogas pour récupérer Cassios. De toute façon, il va pas rester longtemps dans le deck, on va le détruire après. Je repioche 5 cartes, même 6 en fait. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Je regagne normalement un nouvel éclair, sauf que non, hein, puisque j'en ai déjà 3. 5, 6. C'est vrai que j'aurais peut-être pu... Utiliser du soin au lieu d'acheter Cassios. Donc voilà ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas d'erreur. Ok. Ça dégage. On décale. Les héros ne peuvent pas affronter d'autres personnages tant que Tethys est sur le terrain. Ok. Alors, c'est les héros. Ça veut dire que je pourrais l'affronter, mais il ne faut pas que j'aie de yoga dans les cartes que je joue. Une armure, on s'en fout, une armure du cancer. Ah, elle est là, un effet d'arrivée. Tous les personnages défaussent leur armure en jeu. Je n'ai pas d'armure en jeu et Hilda non plus. Lui, c'est un effet vaincu, donc on verra après. On passe maintenant au tour 10 et c'est à Hilda. Qui nous fait un 4 de gel, donc elle récupère directement Tethys, donc on va être tranquille, on va pouvoir acquérir n'importe quel personnage sans souci. Par contre, il faut que je gèle une carte de ma main. Je vais geler lui. J'essaierai de le récupérer après, mais pour l'instant, je gèle celui-là. Je joue mon armure de cygne. Si je détruis Cassios maintenant. Ah non, c'est le coup d'un chevalier présent sur le terrain. Ça veut dire que ça ne marche pas sur les armures. Ushina, elle vaut bien pas mal de points de victoire, mais sinon, elle a que 1 en force et 1 en cosmos. C'est pas fou non plus. Donc, je vais. Ah, lui, il est bien. Enfin, il peut, si on a de la chance. Quand il est vaincu, on peut piocher une carte de la réserve et l'ajouter à notre défausse. Il coûte 5. Donc là j'ai 4 mais je vais pouvoir piocher. Donc je vais déjà jouer Chevalier de Cristal qui me dit que quand il est mis en jeu, je peux piocher une carte puis la défausser. Et en plus de ça, un autre yoga va gagner un cosmos, mais là on s'en fout. Donc je le joue là et je pioche une carte. Ensuite je me défausse d'une carte. Je vais me défausser de celle-ci.
Donc là, j'ai déjà joué un contre lui. Je peux aussi détruire mon Cassios, puisque pour le coup, lui, il est chevalier. Donc si je détruis mon Cassios, je réduis le coût de cette carte de 2, donc il coûte plus que 3. Donc je vais jouer les deux, ce qui fait que je peux piocher deux cartes, hein, puisque lui, en présence d'un yoga, il peut piocher une carte, et donc lui, il me fait piocher une carte. Donc je peux piocher deux cartes. Lui. Donc ça c'est ma main, ok. Lui, il est acquis, et je pioche aussi la première carte de la réserve, et je me la garde. Ok, bah je prends, hein. Je vais jouer peut-être un yoga pour sa valeur de soin, et lui je vais me le garder en main. Ça c'est ma pile de personnages blessés. Des yogas, il me semble que j'en ai encore pas mal. Là je vais récupérer lui, voilà, on verra après. Je rapioche jusqu'à avoir 5 cartes en main, je n'ai pas joué mon armure, donc elle va rester là. 1, 2, 3, 4, je suis censé gagner un éclair, là je joue pas assez avec les éclairs, vraiment c'est du gaspillage. Non, c'est 6 cartes que je vais avoir, c'est vrai, à chaque fois je vais oublier à chaque fois. Combien j'en ai là? 4. Oula. 5 et 6. Ça, c'est ma nouvelle main, c'est pas mal. Lui, il dégage, on décale. Pour l'instant, il n'y a pas de guerrier divin qui rapplique, donc l'épopée reste et la partie n'avance pas plus. Ah ben voilà, justement, j'ai parlé un petit peu trop vite. L'épopée va bientôt disparaître, et on a un chevalier d'or, et mon armure est en jeu, ça veut dire que si quelqu'un arrive à récupérer le chevalier d'or, je vais pouvoir faire l'échange d'armure, donc ça c'est pas mal. On passe au tour 11, et c'est à Ida, qui nous fait un 2 de pioche. Donc, elle récupère le guerrier divin de façon, j'ai envie de dire, legit, donc on n'active pas l'effet de sortie, hein. Il n'est pas censé rejoindre la défausse, elle l'a gagné. Elle pioche, cette fois-ci on va le faire, la première carte de sa défausse, donc lui est défaussé, on redécale tout, elle garde ça et tout le paquet ici est sauvegardé et le paquet là c'est fini. C'est des points de victoire qu'elle va pouvoir, on ne pourra plus rien y changer, ça c'est sauvegardé. C'est à moi. Alors, Aiolos, là, il coûte quand même 8. Combien j'ai, moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va, je les ai. En plus, je vais pouvoir piocher. Eh bien, écoutez, je vais faire l'échange d'armure. C'est le bon moment. Je vais d'abord jouer un yoga normal. Ensuite, un yoga qui me permet de piocher. Donc là, je suis à 2 de force. Je peux encore piocher. Quatre, cinq, six et 7. Ah non, c'est 8. Et 8. Et je peux encore garder ça en main. Ça, c'est bien. Je vais revérifier quand même. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tout ça c'est défaussé. Lui, je le récupère, il n'a pas d'effet vaincu. Mon armure est donc échangée par sa version évoluée. La grosse différence, je vais vous le montrer, c'est assez subtil hein, là aussi. Ici, ça nous dit qu'on doit détruire deux yogas identiques de notre main pour ajouter à notre défausse un yoga de rang immédiatement supérieur. Donc déjà, c'est vachement bien parce que je peux détruire donc deux yogas comme ça pour prendre un yoga de bronze, ou je peux détruire deux yogas de bronze pour prendre un yoga d'argent. C'est pas précisé. Il y a là un de cosmos. Celle-ci, elle a un de force en plus. L'effet, c'est détruire deux yogas identiques de votre main, puis ajouter dans votre main, c'est ça la différence, c'est qu'on met dans la main, un yoga de rang immédiatement supérieur. Voilà, donc ma main, elle est toujours de 6. Hein. Donc j'ai toujours cette carte-là dans ma main. Je repioche. Hein.
crois que je pourrais... Non, je peux... Ah, je pourrais même m'en servir... mon tour est pas encore terminé. Puisqu'il a 3 de force. Et qu'elle est en promo. Je peux parfaitement la jouer pour récupérer le signe noir. C'est pas mal. Voilà, maintenant je repioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4. Je suis censé regagner un éclair. Faut vraiment que je pense à les utiliser. 5 et 6. Ça, c'est ma main. Ça, ça dégage. Ça, on décale. Ah, putain. Bon, je l'ai vu, mais c'est pas grave. Ah mais j'ai oublié là, quand elle a récupéré Cite de Misard, il fallait rajouter un sablier. Écoute, on va le faire tout de suite. Du coup, je suis pas censé avoir 6 cartes en main. Je vais défausser, enfin remettre la dernière carte que j'avais piochée sur le dessus de mon deck. Voilà. Donc celle-ci, c'est terminé. On va en prendre une nouvelle. Le sablier, on va le remettre à place. Cette fois-ci, ça va être plus long puisque je vois 3 sabliers et ça nous dit « Lorsqu'un guerrier divin arrive sur le terrain, le joueur actif gèle une carte de sa main. » C'est ce qui vient d'arriver là. Donc, je dois geler une carte de ma main. On va regeler un yoga. Voilà. Comme ça, je pense qu'on est OK. Par contre, ça va durer le temps de 3 sabliers. On passe maintenant au tour 12. Et c'est Aïda. 2 pioches, donc elle récupère ça. Je vous montre plus. Hein. Donc elle défausse une carte pour avoir de la place dans sa main. Et elle sauvegarde sa main. Voilà, c'est terminé pour elle. À moi. Ça va devenir plus compliqué maintenant qu'on joue plus qu'avec 5 cartes et qu'en plus là j'en ai une. J'ai toujours possibilité. J'aimerais bien. Attends, j'ai 1, 2, 3, 4, éventuellement 5 de force. Lui, ça va être dur, hein, 8. Par contre, lui, il y a peut-être moyen là. Al-Ghetti. Je vais jouer d'abord un chevalier de cristal parce que j'aimerais bien piocher et défausser une carte. On sait jamais que j'aurais un. Non, je l'ai pas eu. J'aurais bien voulu un yoga de bronze. Faut que je défausse une carte. Voilà, donc là j'ai 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je peux récupérer lui. Je disais 1, 2, 3. Je peux piocher une carte. Quatre. 5-6. Voilà, lui, il est pour moi et j'ai même pas dû jouer mon armure, donc ça, c'est pas mal. Fin de mon tour, donc je repioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, on va les regarder tout de suite. Ok, cette fois-ci, j'ai bien 2 yogas de bronze, je vais peut-être pouvoir tenter de passer à la version argent. Ça, ça dégage. On décale. Le fait d'avoir Leda et Spica en même temps, il y a peut-être moyen de les choper, ça pourrait être pas mal. Lui, c'est le genre de carte qu'il faudrait enlever quand on joue en solo, mais c'est pas grave, là je l'ai laissé. Ça, c'est un effet de sortie, donc pour l'instant, on s'en fout. Et lui, il a un effet d'arrivée qui nous dit « Si un chevalier d'argent est présent, retirez une flamme. » On s'en fout, il n'y a pas de flamme. Ok, on passe au tour 13. Et c'est Aïda. Il n'y a pas de chevaliers divins qui sont arrivés, donc j'ai rien à geler. On est OK. Bon, ben là, il y en aura peut-être. Par contre, c'est elle le joueur actif maintenant. Donc, elle, elle fait un 1. Donc, elle récupère directement un chevalier d'or. C'est tellement facile. Elle va défausser tout le reste. Ce qui fait que... Ça, c'est pas très bon pour nous. Ça, elle va le récupérer.
puisqu'elle récupère automatiquement les chevaliers divins qui sont censés rejoindre la défausse. Du coup, on va rajouter un petit sablier sur cette carte. Ça, ça dégage, et lui, il a un effet de sortie qui nous dit... Ah oui, j'ai pas fait l'effet de sortie de celle-ci aussi. Chaque joueur détruit un de ses personnages marqués ou défausse un Seiya de sa main. On va commencer par ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme personnage marqué? J'ai ceux qui sont encore blessés, là. Et j'ai ceux qui sont gelés. Alors, ben, je vais détruire... un yoga qui est blessé. Et lui, ça nous dit... Chaque joueur gèle un héros de sa main ou détruit une de ses cartes marquées. C'est une blague. Je vais geler le yoga ici. De toute façon, j'ai dit que ce tour-ci, je tenterai l'armure, mais après, j'aurai peut-être des trucs intéressants. J'ai peut-être fait un mauvais choix. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Blesser un personnage de sa main possédant du cosmos pour réduire de 2 de force le coup de Bian de l'Hippocamp. Bon, on verra. Un effet de sortie. Un effet d'arrivée. Chaque joueur détruit un de ses personnages blessés. Ben, décidément, c'est l'hécatombe. Je vais encore détruire un yoga. Cherchant le roushish. Lui, il nous dit le coup en force des personnages adjacents à ce soldat marine devient un coup en cosmos. Ça veut dire que lui coûte toujours 6 en force, par contre, il coûte 6 en cosmos. Ok, on passe au tour 14. Ah non, c'était le soin, c'était sa valeur de soin. C'est toujours le. C'est toujours mon tour. Eh bien, écoutez. Je vais défausser une carte de ma main et utiliser l'effet de l'armure du si. Ah non, ça ne marche pas pour. Ça marche qu'avec les verts. Ok. Donc je vais défausser l'armure, détruire 2 yogas identiques de ma main et ajouter dans ma main un yoga de rang immédiatement supérieur. Donc hop, je défausse l'armure, je détruis 2 yogas identiques. Et en gros, j'ai le choix entre ces deux-ci. Alors celui-ci, quand je le mets en jeu, je peux piocher une carte pour chaque autre yoga combattant à ses côtés. Donc ça, c'est quand même fort. Lui, c'est la même chose. Hein. Je crois qu'on pioche une carte pour chaque autre yoga combattant à ses côtés. Par contre, lui, ça nous dit que quand il est marqué, on peut ajouter un yoga transcendé dans notre main. Ça, c'est bien. Et lui, quand il est marqué, on peut récupérer en main un yoga de sa défausse. On va prendre celui-ci. Et je le prends en main, hein, ce test. Par contre, il va falloir qu'il se marque. Et le marquer, c'est... on ne peut pas le faire volontairement. Ça doit venir tout seul. Ou dû à un autre effet, mais pas un effet, lui. Je ne peux pas dire je le marque. Voilà. Alors, lui, il gagne plus 1 lorsqu'il combat la dernière carte du terrain. Ce qui fait qu'il est à 3 pour combattre là-bas. Et elle, elle coûte 8. Et on peut défausser des cartes pour blesser des cartes possédant du cosmos pour réduire son coût de 2. Mais bon, donc lui, il est à 3, 4, 5, 6, ouais, j'ai pas assez. Je pourrais éventuellement geler un yoga. Non, geler une carte de ma main, par exemple celle-ci. Et un yoga en jeu gagnerait plus 3, ce qui ferait que lui serait à 5. Et ça ferait 8. Eh bien, je vais faire ça. Je vais utiliser tous mes éclairs. Je vais les retirer là. Je mets lui en jeu avant. Je gèle cette carte-ci. Ce qui fait que lui, il monte à 5 de force. Quand je le mets en jeu, je peux piocher une carte pour chaque autre yoga. Bon, bah là, c'est raté, mais c'est pas grave, il a quand même 5 de force, plus lui qui en a 3. Ce qui fait que je suis à 8, et c'est le coût de Bian, puisqu'il est dans la zone où il coûte moins cher. Voilà. Donc ça, je le récupère. Ce qui se passe, c'est que vu que c'est le...
le gardien du pilier Pacifique Nord, on va récupérer la carte Pacifique Nord. Je le mets là. Ils ont, et je récupère aussi, un token d'armure de la d'arme de la balance. Alors, eux, ils valent 4 de force. Ils ne peuvent être utilisés que par les héros et que pour combattre le pilier. Le pilier qui, lui, a 10 de force. Voilà. Le pilier ne va pas rejoindre mon deck, évidemment. Par contre, il vaut des points de victoire en fin de partie. Voilà, voilà. Mon tour est terminé. Je vais repiocher. Donc, 1, 2... Je viens de regagner directement un petit éclair. 3, 4, 5. Ça, c'est ma main. Ça, ça dégage. Ça, on décale. Oui, vu que ça dégage, il y a l'effet de sortie qui nous dit ajouter un jeton moins un point de victoire sur chaque pilier en jeu. Évidemment. Voilà, ça c'est la petite nouveauté. On a des petits tokens qui sont plus un point de victoire d'un côté, moins un de l'autre. En fonction de la situation, c'est des trucs qu'on va gagner. Donc là, c'est moins un point de victoire. On verra ce que ça vaut après, on le retournera. Une armure. Son coût est augmenté de plus un de force par personnage qu'il affronte. Ça, c'est chiant. De base, il coûte 0. Non, il coûte 4. Il a que 0 de force, mais... il est chiant quand même à battre. On passe donc au tour 14, et évidemment, c'est Aïda. Qui nous fait un 4 de gel, hein, j'ai envie de dire encore. Donc elle va récupérer le chevalier de cristal. Et je dois geler une carte au hasard de ma main. Donc on va mélanger comme il faut. Allez. On va faire comme ça. Bon, j'ai bien mélangé. Et, évidemment, je perds Saga, c'est pas très grave. Alors, est-ce que je tente le pilier? Est-ce que je tente autre chose? En cosmos... J'ai pas mal en cosmos déjà, j'ai une, deux, l'armure je peux la mettre en jeu. Hein. Donc j'ai une, deux, trois, quatre, peut-être plus. Cette armure-ci, quand je la défausse, je peux soigner tous les chevaliers blessés. Ça c'est pas mal, mais j'en ai plus qu'un qui est blessé, les autres sont gelés. Et lui, quand je le défausse, un personnage vert ou bronze en jeu gagne plus 2 en force, c'est pas mal non plus. On va tenter une armure du taureau. Je commence par lui, histoire de piocher et de défausser une carte. On ne sait jamais. Ouais, bah c'est pas mal, mais... Du coup, je vais défausser celui-ci. J'ai pas assez, j'ai mal calculé, je pensais que j'avais un yoga de plus. Parce que là ça me fait 1, 2, 3, 4, j'ai pas assez de cosmos. C'est pas très grave, j'ai toujours la poussière de diamant, vous voyez pas, mais j'ai le... Attendez. Le pouvoir qui coûte un éclair qui dit un yoga en jeu gagne plus 1 en cosmos. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, et j'utilise mon éclair pour qu'un yoga gagne plus 1 de cosmos, ce qui fait 5, et je prends l'armure dans ma main, ce qui fait que je peux directement la rejouer. Tout cela, c'est défaussé, je repioche des cartes jusqu'à en avoir 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça c'est ma nouvelle main, on va regarder quand même. Ouais, c'est pas foufou. Ça, ça dégage. Hop, hop, on décale. On passe au tour 15. C'est Aïda. Est-ce que je vais laisser le pilier là? Oui, bon, il gêne pas vraiment. Encore une fois, c'est un 4 de gel.
Donc, elle récupère encore la quatrième carte ici. Je dois geler une carte au hasard de ma main. Disons celle-ci. C'est un yoga qui est gelé. On essaiera de les soigner après. Je vais peut-être le faire maintenant parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur le terrain. Et j'ai une main qui est vraiment pas terrible. Donc on va peut-être utiliser un petit peu de soin. Mais pas beaucoup. Une armure présente sur le terrain peut s'acquérir avec de la force plutôt qu'avec du cosmos. Ça veut dire que je pourrais récupérer l'armure du Verseau pour 5 de force. Malheureusement, là, j'en ai que 4. Parce que lui, il compte pas, du coup. Si on utilise une carte pour son effet, on ne l'utilise pas pour ça. Ouais, et lui, c'est dommage parce qu'il a 3 de cosmos. Lui, il a 1, ça me ferait 4. Mais j'ai quand même pas assez. Bon. Ah aussi, j'ai toujours l'armure qui est là. Je peux faire ça. Donc 2 de cosmos. Plus 3, ça fait 5. L'armure du Verseau, c'est pour moi directement dans ma main. Parce que je l'ai acquise avec le cosmos. Si je la défausse, je peux soigner tous les personnages... qui sont blessés. Bah écoutez, j'en ai qu'un, mais je vais quand même le faire. Je défausse l'armure. Donc je la mets en jeu et je la défausse. Je récupère mon seul personnage blessé qui est Guest, mais je le dis quand même, c'est pas mal. Je vais utiliser... Ah, j'ai peu de soins. Il y a quand même Jackie là. Il a l'air de rien. Mais quand on le détruit, on peut placer dans notre défausse une carte détruite. C'est peut-être pas si mal, ça. Hein. Donc, on va jouer ça. On va jouer un yoga. Pour 3, je récupère Jackie. Par contre, là, c'est la défausse. Quant à lui... Je pourrais récupérer Leda, mais franchement, j'ai pas envie. J'ai pas assez fort. Je vais le garder en main, je vais me refaire une main. Donc ça c'est ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Ça dégage. On décale. Lui on le connaît déjà, Bianne de l'Hippocampe, le chevalier Astérion, le Pégase Noir, et A. Lui, il a un effet d'arrivée. Évidemment, c'est moi le joueur actif. Le joueur actif place Gigas dans la défausse du joueur de son choix. Ah, bah ça va aller dans sa défausse à elle. Et. On s'en fout. Ok, on passe donc au tour 16. Le dernier tour pour cet épisode. C'est évidemment Hilda qui joue et qui nous fait un 6 de cosmos. Donc. Elle récupère. Je vous montre. Elle va récupérer cette carte-ci, hein, le 6. Je vous montre sa main. Elle peut pas avoir 6 cartes en main, donc elle défausse la première qu'elle avait eue. Elle va cumuler la valeur de cosmos de ses cartes. 1, 2, 3, 4. Celle-ci n'a pas de valeur de cosmos. En vrai, elle n'est pas censée l'avoir en main. Mais Hilda, bon, elle ne joue pas comme demain. Donc j'ai dit 4 de cosmos, elle peut maintenant récupérer des cartes sur le terrain pour un total de 4 de cosmos, mais il n'y a personne. Voilà, donc c'est à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? Lui, il me permet de piocher une carte pour chaque autre yoga qui combattrait à ses côtés, donc il y en a un. Je ferai piocher une carte. Après, si je pioche une bonne carte, ça me permettrait peut-être d'en avoir plus. Alors, Bianne, qui serait peut-être plus intéressant, hein. 9, combien en suis-moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je peux prendre lui. Je peux tenter lui. Je peux tenter aussi le poteau. Je peux blesser des personnages de ma main pour le baisser son coup, mais vu qu'on sait le récupérer comme ça. Donc, je vais d'abord jouer comme ça. Donc, ça fait 1.
2, 3, et je peux piocher une carte. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, lui, je le récupère. C'est le gardien du pilier Pacifique Nord. C'est le même que j'ai déjà eu tout à l'heure en réalité, donc son pilier est déjà là. Par contre, je gagne quand même un token d'arme de la balance. Il me reste Jackie, que je peux détruire pour placer dans ma défausse une de mes cartes détruites. Ben, je vais le détruire. Et voilà le paquet de mes cartes détruites. Donc, peut-être que je pourrais récupérer un yoga comme ça. Ce serait pas mal. Voilà, voilà. Mon tour n'est pas encore vraiment terminé. Il faut que je repioche des cartes jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde quand même ce que j'ai comme main. Ok, on verra. Ça, ça dégage. On va voir, parce que s'il y a un guerrier divin qui arrive, il y aura peut-être encore du changement. Hein. C'était quoi encore? Lorsqu'un guerrier divin arrive sur le terrain, le joueur actif gèle une carte de sa main. Non. Lui, ça nous dit donc... les autres cartes du terrain ont l'effet de sortie. Le joueur actif blesse un personnage de sa main. On passe donc au tour 17, mais ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3. Salut !